Pentecôte ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est donc deux grandes équipes qui s'affrontent cet après-midi. Deux grandes équipes qui représentent d'ailleurs, hein, en tout cas, toute la réserve. L'ASV Club a donc une lourde mission cet après-midi, s'imposer historiquement dans le derby de la capitale, mais aussi soigner son bel et bien deuxième derrière cette équipe de Kinshasa. L'ASV Club qui revient d'une très très belle victoire, très belle opération, une démonstration de force face à la formation des Renaissances, à la fois dans le jeu. Allez, c'est un bon ballon certainement pour William et la tête. Première alerte déjà chaude, alors qu'il y a position litigieuse. Cette équipe du Daring Club Motema Pembe est venue également Fanfo Bitengelai pour jouer et peut-être se projeter à avoir une occasion de se faire du bien. Ah, tout à fait, hein, si le Daring Club Motema Pembe a été intéressant avec son capitaine Jérémy Moumbéré. En profondeur, il y a du champ, peut-il y avoir les jambes et ce ballon. Heureusement, encore une très bonne tentative là, une très bonne combinaison. Et la SV Club parvient quand même à se projeter dans la moitié de terrain de son adversaire. Du champ, il y a de l'espace. Le coach du Daring est en train de réclamer quelque chose. Allez, il est temps pour nous de revenir d'abord sur cette occasion. Le montant droit et le ballon qui revient. Oh la Madjer, le but. Oh là là, l'équipe de la SV Club a réussi finalement à trouver cet infime espoir qui venait, mais finalement qui arrive. Dans les pieds de Ernest Luzolo Sita, ce bon ballon, ce très bon ballon de Tito Lengue Sindani. Il y a également un tout petit peu une distraction dans les chefs de la défense de cette équipe du Daring Club Motema Pembe qui n'a pas suivi le mouvement et des adversaires, mais également du club avec un très très bon tireur. Toulengue, ce ballon qui est passé jusqu'au deuxième poteau. Quelle merveille, quelle merveille finalement. Fantastique. Incroyable mais vrai, ce ballon au deuxième poteau. Et c'est Ousmane Ouattara. Quelle réussite finalement Jean-Willy Ngoma. Fantastique, un corner super bien tiré. Une tête reprise magnifiquement au deuxième poteau. C'est un très 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 beau but. Avec une magnifique célébration aussi. Magnifique célébration également de la part de l'Ivoirien Ousmane Ouattara. Fofo Bitangilai. Eh bien on n'imaginait pas hein, cette équipe de DCMDV Club boucler cette rencontre. Donc il est prêt à faire n'importe quelle rencontre sans pour autant qu'il soit l'équipe de sa province. De sa avec la mention neutralité, un bon ballon pour Jonathan Ikanga, l'arrêt décisif, réflexe. Oh là là, mon froid. Où est-ce qu'elle est restée cette main? C'est peut-être une main doublée. Fanfan Bitangilai, on s'imagine que le gardien camerounais a deux mains et deux mains gauches. David, vous savez, ça fait longtemps qu'il est dans les perches et à un moment donné, lorsqu'on est gardien, on développe certains réflexes. Devenir ici, ce sang-froid à la 93e minute. Allez, ça y est, c'est fait. Boula Boula qui met fin aux hostilités entre le Daring et la SV Club. Belle victoire, Ernest Luzolo 50e, Ousmane Ouattara 57e. Les Immaculés sont donc battus. La formation de la SV Club est donc bon leader. Ah, tout à fait, David Ndala.